Alors, dans cette organisation, c'est vrai que j'ai dû avoir plusieurs casquettes, malgré moi, il faut le dire. Mais bon, j'ai essayé quand même de remplir ces rôles au mieux. J'ai commencé d'abord par commencer à habiller les filles, à choisir leur robe de soirée, tâche qui n'a pas été très, très, très facile. Ensuite, on a dû passer à la tenue de plage. Puis, il y a eu leur encadrement. Et essayer de faire en sorte que la soirée puisse se passer au mieux. Et comme dans l'équipe, nous avons d'autres personnes qui se sont occupées de la chorégraphie, comme Pascal, Catherine qui était son assistante, et nous avons eu Jenny qui était, on va dire, celle qui s'est occupée du casting, et ainsi que d'autres personnes. Et le boss, Jean-Marie, le président justement de cette soirée. Dans l'organisation d'événements, oui. En ce qui concerne l'élection de Miss, je vais dire oui. Mais j'étais également de l'orchestre, mais à un autre niveau, puisque moi j'ai plutôt fait partie du jury auparavant. Et là, je me suis quand même avancée pour pouvoir les aider au sein de l'organisation. Tâche très, très, très difficile, puisque. Tâche très, très, très difficile parce que c'est vrai que nous avons besoin de beaucoup d'aide, que nous avons beaucoup d'expérience aussi au sein de ce domaine pour pouvoir remplir au mieux ce travail. Les filles m'ont motivée justement, les filles m'ont amenée à aimer cela, puisque je peux dire que leur sérieux cette année, c'est vrai que les filles ont été très, très, très sérieuses. Leur motivation et leur enthousiasme pour l'événement fait en sorte de nous faciliter la tâche. Et en ce qui concerne le reste, je veux dire que non, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a eu quand même des inconvénients dans certaines choses, mais bon, je pense que ce sont des choses que nous avons pu repérer et que l'année prochaine, j'espère qu'il y aura une nette amélioration lors de l'organisation de cet événement. Je pense qu'il est conscient, on en a discuté, il est conscient qu'il faut qu'il y ait certaines améliorations dessus et certains changements s'il le faut. Donc l'année prochaine, j'espère que les gens seront surpris de voir que les choses ne se passent pas forcément de la même manière. Étant dans les coulisses et étant derrière les rideaux, c'est difficile de choisir, je t'avouerai, puisque j'étais avec elles tout au long de leur préparation. Et je pense que ce soir, toutes méritaient d'être Miss. Mais comme le jury était obligé de faire un choix, ce choix a été fait. Donc peu importe la personne qui aurait été choisie ce soir, j'aurais été d'accord avec le choix du jury. D'accord. Mais tu es d'accord en fait avec Alanis, en fait, la fille. Voilà, d'accord. Parce que je peux dire que c'est vrai, bon, on aurait pu. Il y a certains critères qui permettaient justement de juger l'une mieux que l'autre. C'est ce qui a été vu. C'est vrai que nous avons Valérie lors de son talent. Je pense qu'elle a séduit le public et également le jury. Et par rapport à sa personnalité également et son franc-parler. Voilà, donc je pense que c'est ce qui a permis à ce qu'elle soit au premier rang ce soir. Non, tu ne me tortures pas, au contraire, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir faire un petit coucou sur souk-compa.fr. Donc, voilà.